Alors bonjour à tous, nous revoilà dans un nouvel épisode de la construction de mon bassin. Alors dans l'épisode précédent, on avait vu un petit peu la pose de l'HPDE, hein, du polyéthylène haute densité. Alors avec moi, j'ai toujours Laurent, hein. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors ici, on a changé un petit peu le programme, c'est-à-dire que avant de continuer, il a fallu attendre un petit peu l'arrivée de certaines pièces, hein, qui devaient être fabriquées en atelier notamment. Oui, donc la cuve principale de filtration a été faite en atelier et la cuve du collecteur d'eau de renvoi vers le bassin a été faite également en atelier. Ah oui, collecteur d'eau, on parle de la chambre de pompage. Hein. Voilà, on parle bien de la chambre de pompage que tu as voulu avec les airlifts. C'est ça. Alors ici, en attendant, puisqu'il fallait attendre après ce matériel, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement fait l'étanchéité de la cascade, hein, puisque là, il y a plusieurs techniques qui ont été adoptées. Alors restez avec nous, on va regarder ça. L'Impermax est un des produits qui demande le plus de contraintes à placer, étant donné qu'il faut un revêtement qui est vraiment très sec, pas trop chaud, pas trop froid. Et ce qu'on voit ici qu'on applique pour commencer, c'est une résine de primaire. Donc c'est un double composant que l'on vient mettre et qui va justement faire un film d'étanchéité entre le sol et l'Impermax. Alors là, c'est bien souvent ce produit-là que la plupart des gens oublient de mettre. Alors, ils oublient souvent deux produits en réalité. Ils oublient ce produit de primaire et ils oublient le produit final. C'est ça. Alors ici, ça va relativement vite à appliquer puisque bon, le sol est bien prêt. Hein, Le sol est bien prêt et la machine sera relativement beaucoup plus vite qu'à la main. Hein. On peut le mettre éventuellement en rouleau, mais bon, c'est quand même faire attention parce que bon, s'il fait un peu trop chaud, ça s'évapore vite. Ça s'évapore vite et l'avantage de la machine, c'est que ça permet de faire une couche beaucoup plus uniforme de rouleau. Il faut vraiment en mettre partout, hein. L'entièreté doit être couverte de cette couche de primaire et quand elle sèche, elle change totalement de couleur, donc ça devient transparent. Problème de pompe Là, on voit un petit problème de pompe, hein. On a les gigueurs qui se bouchent, l'Impermax qui arrive à prendre à l'intérieur de la machine, malgré la pression et qu'on travaille en permanence avec, ça arrive à boucher les gigueurs. C'est une membrane qui est ajoutée et une fois que ça vient dans tous les filtres, ça bouche le filtre. Donc là, on commence par mettre une sous-couche en Impermax avant de mettre une membrane et on recouvrira par la suite. Alors on met en général plusieurs couches de couleurs différentes, ce qui permet de voir si on en a mis réellement partout. Ça, c'est important. Ah oui, c'est très important parce que si une couche d'Impermax doit toujours faire au minimum 2 mm d'épaisseur uniformément partout. Ici, on voit que on est occupé à préparer toutes les bandes en même temps. Et une fois que j'aurai mis la sous-couche, alors on viendra passer les bandes dedans. Voilà, c'est des bandes en quoi ça nous fait? C'est un tissé, hein, donc c'est un petit peu comme une bande comme on utiliserait dans les jardins quasiment. C'est ça. C'est pas un produit qui est pas cher, Non. cette bande-là. La bande ne coûte rien, par contre la bande nous permet de faire dans les angles et tout ça où on ne sait pas appliquer l'Impermax. Même si l'Impermax n'est pas collé à la paroi, c'est pas grave étant donné que la bande sera étanche avec l'Impermax. Donc ça nous permet de faire une membrane flottante si on veut. Voilà, là on place vraiment la membrane dessus, on l'applique au produit qui se trouve en dessous et après on va pouvoir recouvrir de résine. Ouais, c'est une membrane qui est un genre de tissu en fait à rouler. Hein. C'est un rouleau de tissu. Oui. Donc c'est quand même relativement très résistant puisque ça résiste à peu près à tout. C'est 300% d'élasticité, comme une bâche normale. Mais on peut la passer n'importe où. Ouais, il semblerait que l'Impermax était doucement abandonné. Hein. On a voulu montrer cette technique-là. Voilà, mais non, l'Impermax à l'heure actuelle n'est plus très représenté sur le marché.
Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de contraintes d'utilisation, les clients ne l'utilisent pas forcément dans le à bon escient. On en fait quelquefois des choses qui ne sont pas adaptées. Donc ici, on voit bien que pour remettre les membranes ensemble, il faut passer son temps au pinceau pour relier toutes les membranes entre elles. Bon, ça, c'est pas fait régulièrement. Bon, ça donne beaucoup de fuites, ça donne beaucoup de cloches. C'est pas un travail bien fini. Donc beaucoup de particuliers se plaignaient quand ils l'utilisaient eux-mêmes. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, l'Impermax n'est plus très représenté sur le marché belge. En fait, voilà, donc il faut coller. Tout ça, ce sont des opérations généralement qui ont été oubliées par beaucoup de gens. Hein. Oui, c'est pas expliqué dans les notices et c'est ce qui est un petit peu dommage. Voilà. Sinon, le produit est très très bien à condition que le terrain soit bien drainé. Donc j'en ai fait sur des bassins complets. Ça ne bouge pas, mais les bassins sont faits sur des terrains drainés. Donc en plus de stabiliser qui est dans le fond, qui lui est déjà drainant, on vient remettre encore une couche de 30 cm de gravier de gros calibre sur lequel on place le stabilisé avec un moyen d'égouttage pour ne jamais avoir d'eau qui vienne en dessous. Et ça, c'est ce que beaucoup ne font pas. On place un béton ou un stabilisé et on y va directement. Et ça rend tout de suite des bulles. Donc ici, on met vraiment la couche d'Impermax. Hein. Première couche, couleur claire. On peut choisir la couleur claire ou la couleur foncée, ça dépend du final que l'on veut. Mais vraiment bien en mettre partout. Donc on a la fibre qui est blanche. Bon, une fois qu'on en aura mis partout, ben, elle sera toute grise ou toute noire, ça dépend ce que l'on va mettre. Et ça va permettre également de voir là où on passe ou pas. Alors bon, une question souvent qui peut se poser, finalement, est-ce que c'est réellement avantageux en termes de prix au mètre carré? Non. Si on compare l'Impermax avec du polyester ou avec de l'HPDE, au mètre carré, c'est pas beaucoup plus intéressant si on utilise la totalité des produits, donc si on utilise la sous-couche et le final. Donc beaucoup ne mettaient pas la sous-couche ni le final parce que ce sont deux produits qui coûtent très cher à l'origine et pour gagner dans le prix, ils n'étaient même pas conseillés. Donc beaucoup ne le conseillaient même pas. Ouais, c'est comme ça qu'on attrape des cloches évidemment. C'est comme ça qu'on attrape des cloches et des déchirures dans le produit, oui. Parce que si on ne met pas le final, de toute façon, on ne peut même pas traiter à la chloramine étant donné que l'Impermax n'est pas prévu pour être traité. Donc j'ai déjà vu des piscines baignables, des étangs baignables comme ça qui avaient été faits, sur lesquels le produit avait complètement bougé rien qu'avec les traitements de la piscine. Alors ce qu'il faudrait peut-être bien préciser, c'est que si jamais il y a des cloches qui se font, il faut éviter de les percer. Parce que si vous avez des poissons dans le bassin, ils vont morfler, hein, ça c'est sûr. Hein. Non mais ce que ça va faire, ça va faire des poches bactériennes. Hein. C'est des poches bactériennes purulentes, on va dire. Et croyez-moi que les poissons vont prendre plein la tronche et pas que dans la tronche. On a connu des gens qui ont eu des gros déboires avec ça. Donc là, ici, c'est la deuxième couche. Bon, c'est un produit où on rajoute du diluant dedans, hein, parce qu'au départ, il est trop épais que pour pouvoir le traiter avec la machine. Oui, c'est beaucoup trop épais. C'est même pour le mettre au rouleau, on conseille une dilution avec 10%. Maintenant, quand on le met à la machine, on peut le diluer à 20 à 30%. L'avantage de la machine, c'est que ça nous fait un fin film qui est vaporisé. Donc, le produit prend plus uniformément. Quand on le met au rouleau ou à la brosse, les couches sont en général beaucoup trop grosses. Et le produit prend en surface, mais pas en dessous. Tandis que quand on pulvérise, il prend uniformément partout en même temps. Alors, autre inconvénient de ce type de produit, bon, ce sont quand même, on utilisait souvent assez puissant. Donc, bon, c'est bien qu'on attend l'extérieur, mais malgré tout, on en prend plein la tronche, comme on dit. Alors que, bon, le gros avantage. L'HPDE, c'est qu'il n'y a pas tous ces problèmes liés à la toxicité des produits utilisés. Non, donc ici on est sur un produit quand même qui est... c'est même pas soluble à l'acétone, donc c'est vraiment un solvant spécial qu'il y a dedans. C'est pas vraiment le produit bio par excellence. Hein. Non. Même chose pour le polyester, en fait. Hein, le polyester aussi, il faut être très prudent avec ça. Le polyester, il faut être très prudent. On peut avoir des réactions cutanées, c'est impressionnant. Il faut bien se dire que
Une personne ayant réagi une fois au polyester réagira toute sa vie. Donc il faut mieux éviter le contact sur la peau directe du polyester. Il existe des produits pour se prémunir de ça. Maintenant, le polyester reste quand même moins toxique que ça, étant donné qu'on a du polyester. Personnellement, j'utilise un polyester de qualité alimentaire. Et ça, on reviendra peut-être un peu là-dessus, parce que bon, là aussi, il y a des malfaçons importantes qui se font en termes d'utilisation du polyester. Ben, beaucoup de personnes croient que du polyester, ça se passe à peu près n'importe comment ou n'importe où. Bon, il y a du polyester de carrosserie, il y a du polyester pour faire des bateaux, il y a du polyester alimentaire. Moi, ce que j'utilise, c'est du polyester alimentaire. Bon, ça n'a pas le même prix, non? Ça n'a pas vraiment le même prix, mais on n'a aucune toxicité et on a une application facilitée sur les bassins. C'est ça. Moi, j'ai pu constater aussi que certains polyester étaient vraiment relâchés vraiment des produits nocifs, au point tel qu'il n'y avait pas d'algues qui poussaient dedans. Oh bon, je vais me dire, bon ben ça c'est chouette, il n'y a pas d'algues, mais un bassin sans algues est aussi un bassin qui est malade. Et avec un des gros problèmes avec les poissons liés à ce largage de produits nocifs. Largement, donc tous les polyester qu'on va utiliser en carrosserie, tout ça ne sont pas prévus pour être dans un bassin, c'est pas fait pour être dans des milieux aqueux. Donc ni pour un bassin à poissons, ni même pour une piscine. Il y a polyester et polyester. Et même dans les top coats, il y a des différentes qualités de top coats. On a des top coats qui sont prévus pour simplement étanchéifier et faire beau comme ça, mais en plus, on a des top coats qui, eux, sont prévus pour résister au chlore et aux autres produits qu'on pourrait utiliser dans les bassins. Alors, pour en venir un petit peu à l'Hypermax, bon, ici, on est à la deuxième couche d'application. Là, on est sur la couche finale d'Hypermax. Une fois que le bac sera totalement noir, là, il sera étanche. Voilà, alors... c'est un produit qu'on a utilisé parce que, bon, tout simplement pour le montrer, hein, parce que au final, on aurait pu faire la cascade bien différemment. Oui, la cascade pouvait être faite directement en polyester sans aucun souci. Bon, maintenant, certains utilisent des cimentages hydrofugés. Dans le terrain qu'on a ici, c'est pas une bonne idée. Le cimentage hydrofugé, on sait bien que si la surface n'est pas correcte, à un moment donné ou l'autre, ça finira toujours par se crevasser, les micro-fissures, et on aura des fuites. C'est ça. Alors bon, cimentage, ça peut le faire aussi, dans certaines conditions. Il y a des conditions à respecter, il faut absolument le rendre plus résistant. Donc il y a des renforts à venir mettre dans tout le cimentage. Sinon, on va attraper des micro-fissures avec le terrain qui bouge. Un terrain, c'est vivant. D'autant plus ici, le bassin est très grand, donc même chose pour le polyester. Il faut être prudent sur de très grandes surfaces comme ça. Hein. Sinon, on attrape des torsions et le polyester va casser. Donc, suivant la manière qu'on va venir mettre les fibres de polyester, il y a une résistance différente. Donc, il existe des fibres en 200 grammes, 300, 350, 400, 450 grammes et encore même plus. Bon, quand on veut travailler un bon bassin, comme ça, il est préférable de travailler en 2 x 450 grammes qu'en 3 x 300 grammes. C'est ça. Et il existe également plusieurs qualités de fibres. On a de la fibre chinoise qui déchire dans tous les sens et nous savons le partout. Et ensuite, à côté de ça, on a de la fibre allemande qui, elle, ne bouge pas. Encore une fois, c'est pas tout à fait le même prix. C'est pas tout à fait le même prix, mais le travail, au final, sera beaucoup plus aisé. Et donc, on gagnera dans la main-d'œuvre quelque part. Donc, au final, pour le client, c'est plus intéressant de travailler avec des matériaux de qualité. Ouais, c'est aussi une question de longévité. Hein. C'est aussi une question de longévité, mais c'est une question de facilité au placement. Hein. Bon, faut bien dire que du polyester, on rate son coup. Tout ce qu'on peut faire, c'est de commencer à découper, arracher, et recommencer. Ouais, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit de refaire des réparations sur le polyester, hein, surtout quand il a été jamais sous eau avec le développement d'algues et des choses comme ça. Ben, il faut bien le nettoyer, le poncer, l'apprêter et remettre la croche dessus, donc sinon ça ne collera pas. Voilà, ça c'est le bac d'arrivée, on va dire ça comme ça. C'est le bac de départ de la rivière. Les différents produits utilisés. Là on montre bien qu'on a un produit double composite et un solvant pour casser.
Alors, on va continuer à procéder pour le restant de la cascade. Hein. Je vais rappeler le mélange. Donc, les mélanges sont en général un seau avec un pot de double composite. Ils sont directement dosés pour faire des mélanges complets. C'est beaucoup plus simple. Alors il fallait assez, relativement vite, puisque quand l'huile composite est mise en contact, ça prend relativement très vite. C'est la même chose que si on fait de l'époxy. C'est ça. Il y a une température particulière pour l'application de ce produit? Alors, il faut compter entre 15 et 25 degrés. En dessous de 15 degrés, l'humidité de l'air est trop importante et au-delà des 25 degrés, il sèche tellement vite qu'il n'adhère pas comme il faut à la surface. C'est ça, mais encore une fois, il y a des gens qui le font aussi un peu n'importe quand, n'importe comment. Ben, c'est toujours le même problème, c'est le non-respect des données constructeurs. Hein. Bon, bien évidemment, ici dans le cas de la Permax, les données constructeurs n'étaient pas très claires à l'origine. Voilà, on a le deuxième composant. Un tout petit coup de mélange et ensuite on peut appliquer la matière. L'avantage avec l'airless, c'est qu'on va relativement très vite pour l'appliquer. Hein, donc 5 litres de produit comme ça est placé en quelques minutes, ça n'a pas le temps de réagir. Hein. Ouais, on avait fait l'entité de la cascade en moins d'une journée. Hein. Moins d'une journée pour faire toutes les couches. Donc oui, ça c'est l'avantage de la machine. Maintenant, il faut bien dire qu'entre chaque utilisation, entre chaque pot de produit, ben, il faut rincer cette machine. Sinon, elle se bouge constamment. C'est ça. Ouais, ça fait une membrane à l'intérieur. Bon, ça bouge tous les filtres. Hein. Voilà, ici, on est sur la fin de la cascade. Là, c'est là où... on va redescendre pour là où il y a l'îlot. Et que même où on a déjà appliqué de la première couche, c'est pas un problème de venir en rajouter dessus. Hein. Le tout est de ne pas attendre 4 jours entre les deux couches. Parce que ça aussi également, ça a été fait. Bon, les clients achetaient la matière, puis mettaient aujourd'hui parce qu'il faisait bon. Ils n'avaient plus le temps de continuer, ils n'achevaient pas le lendemain parce qu'ils n'avaient plus, et ils attendaient 3-4 jours. Malheureusement, on ne peut pas attendre plus de 48 heures entre les couches, sinon les matières ne se remettent pas ensemble. C'est pour ça que c'est un produit qu'on essaye d'éviter un maximum de vendre pour que le client passe lui-même. C'est déjà très, très ardu en tant que professionnel. En tant que particulier, c'est encore pire à placer. Alors là, monsieur l'îlot central hein, de la cascade, hein. On repère que bon, la cascade fait quand même 15 mètres de long. Là. 15 mètres de long et si mes souvenirs sont bons, quelque part aux alentours des 3 mètres de dénivelé. Bah, au final, après mesure, il fait plutôt 6 mètres. Donc, hein, bon, c'est entre le niveau de l'eau et le remplissage du dessus de la cascade. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces fameuses poches de retenue, parce que sans quoi l'eau descendrait tellement vite que ça poserait un autre problème. Oui. Donc ça poserait le problème que quand ça va atterrir sur l'eau, ben ça va être projeté carrément de l'autre côté du bassin. Donc, et on aura un gros problème dans la cascade en elle-même parce qu'on ne saurait pas la contenir. Voilà, exactement. Donc l'eau finirait par passer au-dessus des bordures. Hein. Oui, ou alors il faudrait faire une cascade qui serait très très haute sur les côtés latéraux et ce ne serait pas esthétique du tout dans un jardin. Donc ici, ça nous permet simplement de remonter avec des roches sur le pourtour de 25 ou 30 cm et pas 50 ou 60 pour canaliser l'eau. Donc, toujours bien mettre la couche principale, le primaire. Pour commencer. C'est vrai que le local a déjà été calé là. On est revenu un petit peu en arrière parce qu'on fait cet épisode ici en fait sur toute la partie cascade hein, puisque ça a été fait en plusieurs étapes.
Donc, la première étape, ça a été tout à fait au départ, hein, puisqu'on avait commencé avec la cascade. Hein, donc, et par la suite, on a fait cette application d'étanchéité. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va décorer la cascade. Hein. Donc, décorer avec, avec des rochers. C'est de la roche du pays, hein, carrément. Donc, on a utilisé les produits locaux. Hein. Donc, pour camoufler en fait toutes ces bordures. Hein. Donc, c'est, aujourd'hui, ces bordures, c'est pas très esthétique, là, ce que vous voyez, mais au final, on verra plus rien de tout ça. Donc, on va cacher complètement les bordures et on va cacher carrément le fond de la cascade. Donc, même le fond de la cascade, on n'en verra plus. Il existe plusieurs manières de faire des rivières comme ça. On peut le faire avec des galets, on peut le faire avec de la caillasse. Bon, on peut utiliser plusieurs matériaux ici, dans les rochers sur le côté. Et on est venu mettre des cassons de pierre bleue sur le fond. Ça, on verra plus tard. Donc, le rendu final, ça donne très bien. C'est vrai que quelquefois, lors de la réalisation, ben, on se demande où on va. Hein. Oui, c'est pas si évident qu'il n'y paraît comme ça depuis l'avant. Hein. Il faut pouvoir arriver à se projeter dans le futur. Bon, moi, je sais ce que ça va donner au final. Le client ne sait pas forcément, donc il n'y a pas moyen quelquefois de nous montrer ce que ça va donner. Ouais, alors une pompe quand même qui le fait, hein, puisqu'elle doit faire 90 mètres cubes heure avec quelque chose comme ça. Oui, c'est la grosse pompe Blue Eco que tu as, donc c'est une pompe qui est relativement puissante, qui permet de la remonter d'eau, mais c'est aussi la pompe la plus économique du marché. Actuellement, il y a d'autres pompes sur le marché qui existent à peu près équivalentes, mais au niveau consommation, celle-ci sera de toute façon plus basse, avec une garantie en plus, c'est-à-dire que la Blue Eco est une des rares pompes électroniques comme ça qui peut être immergée. Donc beaucoup d'autres pompes existent, style IntelliFlow de chez Pentair, ou la FlowFriend ou n'importe quoi, mais ce sont des pompes qui craignent l'humidité en réalité. Donc si elle est immergée, la pompe est d'office hors circuit et c'est terminé, ce n'est même plus réparable. La Blue Eco, elle peut être carrément immergée dans le bassin si on le veut. C'est ça. Alors bon, ben voilà. Donc un gros débit, parce que bon, forcément, vu la cascade qu'il y a là, il faut un gros débit. Hein. Oui, il faut quand même un débit. Il faut bien se dire qu'on a une lame d'eau d'un mètre 40 dans le fond. Donc c'est pas avec 20 mètres cubes à l'heure qu'on va pouvoir alimenter une lame d'un mètre 40. Hein. Pour avoir un débit correct dessus, il faut au minimum 45 à 50 mètres cubes. Voilà, alors bon, consommation 450 watts hein, quand la cascade fonctionne à régime normal. Hein. Bon, après on a essayé de la faire aller à fond. La cascade elle a pas débordé, mais bon, au bout du compte, ça m'a quand même fait de la casse tellement que le débit était dur en fait. Là, la puissance de l'eau, c'est quand même assez fort. Hein. Donc, si je me souviens bien, on avait fait le test et avec la cascade à fond, on s'est quand même capable de faire bouger des briques posées dans la rivière. C'est ça. Alors, c'était un petit test qu'on avait fait avec Vincent à l'époque. Hein. Quand on sait qu'une brique fait quand même 2,5 kg et que c'est posé sur très peu de surface, c'est rugueux, donc ça s'accroche à peu près à n'importe quoi et la brique, elle voyage comme si c'était un simple petit bateau de papier. Hein. C'est ça. Et après, quand elle atterrit, ça ne fait pas du bien. Bon, ça n'a pas occasionné de casse à ce niveau-là, parce que bon, il y avait le bac juste avant. Il y a le bac récolteur de la lame d'eau en inox, hein, ah, donc ça ne sert à rien à casser du tout. C'est juste un essai comme ça. Hein. Ça se termine tout doucement, là. De temps en temps, ça coince un petit peu. De temps en temps, le gigueur se bouche, il faut l'inverser et ensuite on peut continuer. Tout ça, pourquoi? Parce que ça prend trop vite avec la chaleur. Là, on montre une abeille, là, parce que malheureusement, juste sur le bord de la cascade, il y avait, c'était pas une abeille, en fait, c'était une guêpe. Et il y avait un nid de guêpe, et on s'en mettait plein la tronche. Hein. Oui, mais il y avait une personne qui est assise à côté de moi qui avait dit qu'il avait détruit le nid de guêpe. Hein, donc... Après, bon, on a mis, je crois, 3 ou 4 litres de sens dans le cou, et puis... On a tapé une allumette là-dedans et ça a brûlé pendant presque un jour et demi. Mais bon, il n'y a plus de guêpe. Bah, sauf les résiduels qui étaient déjà partis au matin et qui revenaient en journée, qui n'étaient pas très contents de voir leur nid légèrement brûlé. Tout ça.
Mais bon, on va faire mal à faire avec. On a eu quelques piqûres, mais ça passe. Voilà, ça, la couche, la première couche, elle est finie, là, pratiquement. Mais là, on voit bien que c'est uniforme, hein, c'est bien. C'est partout, hein. Là, voilà. Là, on voit vraiment la couche avec la finition noire. C'est ça. Voilà, évidemment, là, il reste encore à faire. Donc, la première partie, on l'avait fait avec la feutrine. Hein. Oui. Et puis, finalement, la deuxième sans la feutrine. Alors, bon, on peut tirer un petit peu l'enseignement de ça. C'est qu'au final, bon, si on a un bon support, c'est encore aussi bien de le faire sans feutrine. Oui, si le support est bon, sans la feutrine, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, c'était une expérience à faire, hein, puisque... Je me rappelle, on a fait ça spécialement pour ces différents épisodes, d'utiliser ce produit-là, parce que sinon on l'aurait fait en polyester, ça aurait été quand même beaucoup plus simple, je veux dire, dans le sens que ça aurait été certainement plus durable que ce produit-là. Oui, mais enfin, c'était l'occasion aussi d'essayer les produits qui se trouvent sur le marché actuellement, et on peut justement maintenant critiquer en bien ou en mal le produit qui se trouve sur le marché. On sait exactement comment ils réagissent. Voilà. Alors bon, tout ça, c'est très bien. On va faire un bon pas en avant. Reste encore la couche de finition à mettre, là. Donc il faut attendre un petit peu que celle-là me prenne, parce que sinon, on marche dedans, alors qu'elle n'est pas frise, je vais coller dedans. Hein. Ah, ça, il y a des chances. Oui. Je suis pas très beau comme décoration de bassin. Il y a les nains de jardin, mais t'es déjà trop grand pour ça, alors c'est ça le problème. Je passe déjà à la catégorie géant de jardin. Remarque, si on s'en met un peu trop sur soi, finalement, on pourrait y ressembler hein, à un nain de jardin. Oui, les vêtements sont vite hydrofugés également. Hein. Ouais, c'est l'avantage. Hein. Voilà. Pour les anoraks, bon, ceux qui changent un peu de couleur, mais à part ça, là, ils seront vraiment étanches. Hein. L'avantage avec de l'Intermax par rapport à du polyester, quand on l'a sur soi, c'est qu'il ne brûle pas. Le polyester, sa réaction est une chaleur. L'Intermax, sa réaction ne produit pas de chaleur. Si on avance un petit peu aussi dans le local, hein, on continue ce carrelage. Hein. Là, c'est toi qui t'en charges. Hein, donc, tu passes ton temps à coller tous les tuyaux, tous les carrelages, les découpes alentour des tuyaux, avant qu'on ne fixe le toit définitivement. C'est ça, autant descendre les choses quand elles sont simples à descendre. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour passer le tambour et tout sans le toit qu'avec le toit. Hein. Tant qu'à fait, les gros éléments doivent être passés avant de mettre la couverture du local. Ouais, il faisait bon à cette époque-là, donc on est arrêté là. Alors finalement, voilà une vue vraiment verticale là, du chantier. Donc on voit quand même que le local permet de voyager dedans, debout tout à fait normalement. Hein. Absolument. C'était un souhait, hein, parce que bon, après... Maintenant, beaucoup de pièces techniques sont beaucoup plus petites que ça. Hein. Bon, on fait beaucoup des petites chambres sur lesquelles on peut descendre dedans, mais on dépasse à moitié puisque on les fait à hauteur de tambour. C'est ça. Alors, généralement, 15 cm au-dessus, plus les pièces de plancher, on va dire. Oui, donc un tambour dépasse en moyenne de 15 cm et un plancher, c'est 2 × 3,3 cm. C'est ça. Alors, les planchers comme ça pèse relativement lourd. Un plancher, suivant le bois utilisé, oui, peut avoir un poids assez important. Si on utilise de l'utoba ou de l'utoba brésilien, c'est largement plus lourd que si on utilise du pain. Hein. C'est sûr, mais enfin, le pain n'a pas une durée de vie extraordinaire. Le pain va quand même durer aux alentours des 15 à 20 ans si on le traite quand même une fois de temps en temps. Mmh. L'avantage du pain, c'est son prix. C'est quand même beaucoup plus accessible que de l'IP. Ah, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi toutes les structures, les bois synthétiques. Alors, les bois synthétiques, c'est actuellement très très beau, mais c'est encore relativement très cher. Puis il y a aussi parfois des problèmes de dilatation avec ça.
Pour les bois qui étaient comme au départ, qui sont pleins, oui, il existe maintenant le bois synthétique comme ça, mais qui est creux à l'intérieur, et celui-là se dilate beaucoup moins et a une torsion beaucoup moins importante. De l'alvéolé. C'est de l'alvéolé, oui. Mais ça ne reste jamais que de l'artificiel dans un jardin. Je préfère du naturel à l'artificiel. Mm-hmm. Le rendu final est quand même plus beau, plus naturel sur un bois que sur de la résine. Alors moi, je voudrais quand même donner un conseil. Hein, n'hésitez surtout pas à ne pas faire un local technique trop petit. Parce que croyez-moi que c'est quand même un gros avantage d'avoir un local technique grand où on peut circuler dedans facilement sans devoir lever des charges lourdes, etc. C'est un très très gros avantage hein, par rapport à des petites chambres de filtration où tout est très condensé dedans en fait. Oui, bon, maintenant c'est un choix. Hein. Je sais, pour moi, fabriquer une grande chambre ou une petite chambre, c'est exactement la même chose. Bon, la différence, c'est toujours le coût, bien évidemment. Fabriquer un local qui mesure 2,50 m de haut et 20 mètres carrés au sol est largement plus cher que de faire une petite chambre où tout sera condensé dedans et qu'on ne s'y descende qu'à moitié. Absolument. Et surtout, c'est bien compliqué pour intervenir dedans. Si elle a mal au problème technique, parfois un tuyau ou que sais-je encore, une vanne à changer, c'est parfois très problématique hein, dans les locaux extrêmement serrés. C'est quelquefois très difficile d'accès parce qu'une fois que tout le matériel est placé, quelquefois pour accéder à une vanne, il faut démonter le trois quarts de la chambre. C'est ça. Mais maintenant, on sait que faire une petite chambre, c'est beaucoup moins cher qu'une très grande. C'est toujours une question de budget au final qui peut être multiplié par 10 pour une grande chambre. C'est ça. Ici, on voit tout doucement le bout de la cascade et pas le bout du tunnel, hein, puisqu'on n'a pas fini avec ce bassin. Je suis bien content d'arriver quand même au bout de la Permax. Hein. Voilà, la liaison se fait facilement avec la lame 2 en 1901, ça n'a pas de problème. Oui, parce qu'on a utilisé également un primeur qui est vraiment prévu pour lier de l'impermax à un acier poli ou à du verre. Donc on ne sait pas lier l'impermax non plus sur du verre ni sur de l'acier si on n'utilise pas le bon primeur. C'est ça. Encore quelque chose à savoir. Et donc ça, c'est un primeur différent à utiliser. Là, on y est. Ben là, il reste encore un morceau. Ouais. Il nous reste encore la partie extérieure de la rivière à finaliser. Maintenant, tu fais les cascades en quoi Quand on fait le bassin en PEHD, on fait la cascade et la rivière en PEHD également. Donc, on arrive à mouler le PEHD pour le faire. Oui, avec le fameux canon à chaleur. Avec le canon à chaleur, la découpe qu'on peut faire dedans, et par moment, quand même, dans un temps, une soudure ou l'autre, et on arrive à faire exactement ce que l'on veut comme ça. Donc, rien n'empêcherait de refaire ce bassin, faire cette cascade-là, en PHD. Elle n'aurait pas exactement la même forme, mais oui, on pourrait avoir au final le même rendu. C'est ça. Avec les poches de retenue, etc. Avec les poches de retenue, tout comme celle-ci, mais le rendu final sera le même, mais la technique de travail sera différente. Donc même la maçonnerie sera différente, puisqu'on n'est pas obligé de maçonner dans ça. C'est-à-dire qu'on va faire toute la rivière flottante, et on va venir la poser, la fixer, et ensuite on remplira de stabiliser. C'est ça. Donc, on va la faire flottante pour commencer. Donc on la met en place et puis après on la met du stable et puis... Et on remplit le dessus. Ce qui permet après aussi de faire l'empirement intérieur. Ça va permettre totalement l'empirement intérieur, ça ne bougera pas. Hein. Par expérience, je sais qu'on peut rouler avec la pelleteuse carrément sur les panneaux d'HPE, ça ne bouge pas. Donc si ça résiste à une pelleteuse, ça résistera à tout enrochement qu'on veut faire. J'ai réussi à poser sur une membrane de 5 mm ainsi avec la paroi en stabilisé des rochers de plus de 300 kg. Et ça ne fait pas bouger la membrane. Voilà. Et alors là, les rochers de 300 kg, il faut la machine pour les amener. Hein. On est obligé de les passer à la machine. Mais ça permet de faire
toutes les garnitures possibles et inimaginables. Bon, maintenant, quand on a envie d'un bassin comme celui-ci, mais garni de roches au lieu de pierres bleues, mais on peut le faire, on peut avoir des roches qui sont hors eau. Avec ça, on termine avec une paroi verticale. Maintenant, quand on a envie d'avoir des roches déjà immergées, absolument pour ne rien voir du tout du bassin, c'est possible également, il suffit simplement de souder une gouttière sur le côté du bassin de 40 cm. C'est ça. Ben voilà, ça y est, hein, ce coup-là. Voilà, la cascade, ben, c'est fini pour l'isolation. Maintenant, c'est le nettoyage des machines et retirer le surplus de produit. Là, ça prend aussi du temps parce qu'il faut bien rincer la machine. Hein. Oui, il faut rincer 3-4 fois la machine avec du solvant. Hein. Enfin, là, on était quand même content du résultat. Oui, c'est propre, hein, donc. Maintenant, une fois garni, toute la résine noire, on n'en verra plus. Ben non, ben, c'est le but aussi. Hein. Le but de voir disparaître ben, tout ce qui n'est pas naturel, au fond. C'est le principe du bassin, hein. Donc, on essaie de les rendre le plus naturel possible. Alors voilà, maintenant il s'agit de faire autre chose, c'est de mettre des gros cailloux comme on peut le voir ici, hein, pour aménager cette cascade, puisque bon, on va faire disparaître tout cet impermax. Hein. Oui, mais enfin, comme on a vu, bon, moi j'utilise les gros cailloux, toi tu utilises les graviers. Hein. Ouais, mais enfin, chacun son truc. Hein. Toi tu utilises une machine, moi j'utilise mes mains, c'est pas la même chose. Voilà, ce sont tous des rochers qui sont entre 200 et 400 kg. Alors là, on a fait en fait un empirement à base de pierre bleue, hein, de caisson de pierre bleue. Toute la base est de caisson de pierre bleue et tous les latéraux sont en rocher du pays. C'est ça. Et ici, on voit qu'il y a un peu d'eau qui a coulé, là, il a du pouvoir. Et puis là, on voit les poches de retenue. Donc, les caissons ont été mis et maintenant, ils ont été nettoyés. Et après, le billage final se fera évidemment par les plantations qu'on va pouvoir aménager. Hein. Donc, on a fait une poche de plantation, on peut voir au-dessus. Donc, on va casser en fait toute la linéarité avec les plantes. C'est le rendu final qui sera vraiment un jardin avec une rocaille en réalité. Hein. C'est ça. Alors, le fait d'avoir un fond plat, un avantage évidemment certain, c'est le fait que bon, il n'y aura pas d'éclaboussure, puisque sinon, si l'eau rencontre évidemment quelque chose dans le chemin, ben, ça va faire un jet. Donc ici, on n'a pas trop d'obstacles dans la rivière. Et ça permet aussi d'avoir une rivière qui est plus silencieuse. Ben voilà, c'est un très long épisode, hein, finalement, cette cascade. Mais bon, je pense qu'on a donné plein d'informations sur différentes techniques pour faire des cascades et réaliser ça pour avoir le meilleur rendu possible, bien entendu. Oui, donc ici, je pense que vous avez eu un maximum d'informations qui ne se trouvent pas forcément dans les fascicules et à mettre à bon escient pour de l'utilisation future. Alors, ben, Laurent, prochaine étape, la filtration. Oui, ce sera la filtration maintenant, dès la réception des cuves. Absolument. Alors moi je vous dis, ben voilà, un nouveau rendez-vous pour la suite de cette aventure. Hein, et puis ben, je te dis à bientôt Laurent. À bientôt. Et moi je vous dis à très bientôt et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.